Nous avons constaté à quelques endroits de Dakar des citoyens hors bureau qui ont voté. Nous avons constaté des citoyens disposant des documents déclinés par l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui n'ont pas pu voter ou avoir même la possibilité de savoir dans quel bureau voter. En dépit de toutes ces violations et difficultés, la victoire de notre coalition Manco Taho au Sénégal dans le département de Dakar est sans contestation. Et nous n'accepterons pas d'avoir mis notre maire derrière les barreaux pour l'empêcher de participer à cette campagne et pour une deuxième fois de vouloir faire un hold-up électoral. Nous ne l'accepterons pas. Nous ferons face aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique pour que Dakar reste au Dakarois, que Dakar assure sa fidélité au maire de Dakar.